Eh bien, vous avez pu le remarquer, mes calendriers sont quand même assez savoureux, disons-le. Et c'est quand même autre chose. C'est quand même nettement plus agréable que ceux des postes, non? Je crois. Et vous savez, on doit tout ça, tous ces jolis tableaux, au talent de M. Bernardin. Et M. Bernardin, c'est le créateur du fameux Crazy Horse Saloon. Alors, M. Bernardin, c'est quand même un grand moment, janvier 82, parce que c'est le jubilé. Ça fait 30 ans, oui. Et alors, en 30 ans... Ben, en 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses, oui. Et le premier spectacle, par exemple, était un spectacle western, entièrement western, une parodie de western. Avec des cow-boys comme ça? Ah non. Même ça, pas présenté, d'ailleurs. Alors, ces cow-boys sont d'une part Love Amour, enchanté, qui prépare un nouveau numéro, qui sera très gay, très gay. Et en même temps... Là, je regarde la queue du Mickey. Et qui prépare aussi un 10 et 45 tours. Et Rita Xenon est la toute dernière arrivée au Crazy. Ah bon, c'est-à-dire qu'elle ferme... Oui, c'est ça, elle ferme. Elle ferme en partant, exactement. Et dans ce premier spectacle, nous avions fait une parodie de western et nous cherchions des faux cow-boys pour animer la scène. Et au Trois Baudets, on a trouvé DeVos et son partenaire Verbeek, qui passaient sous le nom des Pinsons. Tu te rappelles? The Little Lark, ça s'appelait, en anglais. Ah oui? Et alors, ça tombait bien, cher Bernardin, puisque vous cherchiez des faux cow-boys, oui. Et nous, Dieu sait si nous étions faux. Puisqu'il y avait Verbeek quand même connaissait les chansons. Moi, pas du tout. Oui. Et je parlais même pas anglais. Mm-hmm. C'est ça la gageure. Clémentine. Alors, on faisait des bouches fermées. Je ne sortais même pas. Alors, il était Oh my darling, oh my darling, oh my darling, Clémentine. Et moi, j'étais Tine. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait du succès, et ça a marché chez lui. C'est comme ça qu'on a lancé la boîte. Et en pleine chanson, il disait « Je hais la guerre ». Oui, soit pour dire quelque chose. Donc, ça voulait rien dire. Il fallait quand même, à un certain moment, montrer que je parlais. Quand même que je n'étais pas muet. Quoi. C'était juste après la guerre, ça, tout de même. Hein, mais sa maison, c'était extraordinaire. Il y avait quand même des numéros de l'assaut. Il y avait des gens qui faisaient... Une animation. Et alors, il y avait des gens qui avaient un petit orchestre... Un orchestre du Texas, un orchestre de country. Le premier orchestre country à Paris. Hein? Oui. C'était une maison extraordinaire. Mais là, c'est là qu'a débuté Fernand Reynaud aussi. Enfin, débuté, oui, c'est beaucoup dire. Mais il y est passé, Aznavour, etc. Bernard Allaire, même. Bernard Allaire, tout le monde. Il y avait une ambiance extraordinaire. Moi, j'allais après faire de l'assaut. J'ai fait un numéro de l'assaut. Il y avait déjà des sketchs, là, quand même. Mais moi, j'avais monté... Tu te souviens, Bernard, là, j'avais monté, je crois, une petite revue qui s'appelait Le Navet. Avec Wilson. George Wilson. Ça n'a pas marché du tout. Une revue, Le Navet. Qu'est-ce qu'il est devenu? Lui, il s'en est bien sorti. Non, Le Navet, c'était un champ de navet. Enfin, il y avait un navet qui poussait sur le champ du c'était, voisin. C'était pas drôle du tout. C'était pas drôle du tout. Épouvantable. Mais les striptease, la première fois qu'on travaille dans ce genre de maison, avec tout le respect que ça comporte, c'est qu'on côtoie des femmes nues dans la loge et on ne sait pas trop où porter les yeux. Au début, on marche comme ça. Bonjour, mademoiselle, vous allez bien? Ça va? Oui, très bien, bonjour. Voilà. Quelle ambiance extraordinaire. C'était fabuleux, le Crazy Horse Saloon. Il y a toujours et c'est là que j'ai quand même appris le métier, parce que tout de même, les Pinsons, il y avait quand même un Fervalois et un Auguste. Moi, je faisais Auguste. Oui, c'était ça. Toi, et j'ai quand même appris, j'ai appris à donner des répliques, etc. Parce que le cabaret, c'est une école extraordinaire. Quelle ambiance il y avait chez toi. Je pense qu'elle est toujours pareille. Ah, c'est toujours, oui, toujours c'est fabuleux, fabuleux. Tu bois un verre et tu vas nous quitter, je crois. Ben, c'est-à-dire que, oui. Enfin, tu peux même boire deux verres. Oui, mais ça va être difficile de te quitter quand même, de vous quitter, parce que l'ambiance est agréable. Mais il y a le public quand même. Et oui, alors, tu y es pour longtemps en plus. Hein. Ben, ça marche tellement bien. On a été obligés, avec ce que ça comporte de complaisance, de prolonger. On est très contents. On ne sait pas jusqu'où ça ira, d'ailleurs. Bravo.